podium du Vendée Globe, il y a évidemment des marins. Et puis, il y a aussi ceux qui ont fabriqué leurs bateaux, qui se font remarquer. Dans ce domaine-là, l'un des grands gagnants, c'est CDK Technologies. Les quatre premiers bateaux arrivés sont sortis des chantiers finistériens et morbihanais de cette société spécialisée dans la course au large. Catherine Aubel, Jérémy Leclanche. Sur l'eau, ils semblent voler tant leur silhouette est effilée. Mais malgré cette apparence aérienne, la coque de ces bateaux résiste à des éléments déchaînés. Ce miracle s'obtient grâce à beaucoup de technologies et un élément clé, le carbone. Donc ça, c'est la matière qui constitue les bateaux, par exemple les bateaux du Vendée Globe. Avec ça, on fait des coques, des ponts, mais aussi des foils, des mâts. Sur un foil, par exemple, qui peut peut-être faire une centaine de millimètres d'épaisseur, on a plusieurs centaines de couches de carbone qui sont posées à la main et ensuite cuites pour obtenir leur caractéristique mécanique optimale. Et dans la cuisson du carbone, CDK Technologies est passé maître. C'est la précision des températures qui déterminera la solidité de la pièce, renforcée aussi grâce à la cuisson sous pression en autoclave. Donc ça, c'est le plus gros autoclave qui existe en Bretagne pour la cuisson de pièces en composite. Ça représente un gros investissement pour le chantier, fait en 2020, 1 million d'euros à peu près. Et ça nous permet de faire des pièces comme des foils de très très grande taille. Créé en 84 à Port-la-Forêt dans le Finistère, CDK Technologies possède aujourd'hui un deuxième chantier à Lorient et emploie une centaine de salariés. L'entreprise fait partie des 5 plus grands constructeurs mondiaux de voiliers de compétition, avec la ferme intention de continuer la course en tête. Le carbone évolue, c'est un matériau qui progresse tout le temps. Il y a des nouveaux carbones, des nouveaux tissus, des nouveaux tissages de tissus. Il faut toujours progresser avec les bateaux, la vitesse des bateaux et surtout pas s'endormir sur ses lauriers. Deux gros bateaux sont actuellement en construction par CDK, dont le maxi trimaran Banque Populaire 11. L'autre, c'est un américain dont on ne verra pas le plus petit bout d'étrave. Le chantier conserve jalousement ses secrets de fabrication.